cinq personnes. Ça suffit. J'ai dit ça ici combien de fois? Hein? Tu fais tes prières à l'heure correctement. Tu peux lire le Coran ça pour que Allah sache que tu es avec lui. C'est ce que lui, il veut savoir. Il veut aujourd'hui quelqu'un qui gouverne, qui le met en avant pour montrer aux Occidentaux, pour montrer à l'humanité que c'est l'islam la solution. Mais vous, vous fuyez ça. Oui, vous fuyez cela parce que ceux que vous gouvernez sont aptes à ça et ils vous laissent faire. C'est ça mon problème. Moi, je n'en ai pas d'autre. Hein. Non, je n'en ai pas d'autre. Et ça, les prochaines élections, ça va peser, hein, Inch'Allah. Croyez-moi, vous serez très, très surpris dans ce pays-là. Déjà, on va commencer avec lui. Vous voyez pourquoi j'ai arrêté le petit frère, là. Hein? Parce que eux, ils pensent que islamiquement, là, je vous ai dit ça ici, la solution sera islamique. Ils pensent que c'est les gens qui vont prendre des armes, les gens qui vont crier de la rue. Allah Akbar, non. C'est spirituel. J'ai dit ça, je ne sais pas combien de fois. Vous allez arrêter. C'est-à-dire, je vais répéter ça. On va se fatiguer de répéter. Toi, Mamadi Doumbouya, pourquoi on ne t'a pas anéanti? Pourquoi on ne t'a pas mis hors jeu? Donc, toi, celui qui doit te remplacer, toi, tu peux le mettre hors jeu. Non, mais ça veut dire que ce n'est pas lui qui va te remplacer. Non. Tout ce qui se passe là, c'est écrit. C'est déjà écrit. Mais tu te rapproches d'Allah. Tes marabouts ne te disent pas ça. Rapproche-toi de ton Créateur. Honnêtement et sincèrement, c'est tout. C'est pas compliqué. Les marabouts, là, remercie-les. Vraiment, mon frère, merci beaucoup. Mais ma popularité, là, ça tombe des... Mais vraiment, comment je vais faire? Terminé. Allah veut savoir ça. Moi, je vous dis, ici, je suis en France. Il y a des endroits que je vais pour le boulot ou autre qui te disent carrément, nous, on ne veut pas le voile. Je dis, je n'enlève pas mon voile. Allah m'ouvre d'autres portes. Mais il y a des femmes voilées qui enlèvent leur voile pour le travail. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas la foi. Hein. Non, je parle de mon cas. C'est ce qu'il veut. Parce que je me dis, Allah, ce voile-là, je l'ai mis pour toi. Je l'ai dit une fois à une dame. Je dis, c'est ce voile-là qui m'a ouvert ces portes-là. Moi, j'allais mourir. J'allais tomber malade. C'est ce qui m'a soigné. Vous ne pouvez pas comprendre. Il me dit, madame, c'est personnel. On ne peut pas comprendre. Si vous ne voulez pas l'enlever, vous ne l'enlevez pas. Mais c'est la loi. J'aurais gâché leur loi. Mais les Guinéens font pareil. Là où ils sont plus à 50% de la population. Parce que vous vous laissez faire. Faites des invocations. Faites des propositions. Allez-y à leur rencontre. Tapez du poing sur la table. Je le dis régulièrement. Hé, Mamadi Doumbouya, tu es musulman. Façon dont tu gouvernes là, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Ton exemple, c'est le prophète bien-aimé. C'est comme ça, il fait. Il faisait. Toi aussi, fais comme ça. Et tu adaptes ça. Au lieu de faire des sacrifices à deux francs là, à deux balles, accompagné de tes musiciens, les concerts, ça ne donne rien. Tu fais ça depuis un an. Ça donne quoi? C'est-à-dire, hey, moi, dès que moi je fais quelque chose qui n'est pas bon pour moi, wallah, je ne vais même pas aller loin. Je me rends compte que j'ai posé une action là, c'est pas bon. Je me rétracte tout de suite. Je trouve une solution. Mais si nous, nos religieux, ne font pas ça, parce que la République les a étouffés. Mais religieux, tu es un ambassadeur de l'islam. Tu es un représentant de l'islam. On va dire que tu es le président de l'islam. Donc, un président que peut-être ton ami l'a amené au pouvoir, lui va venir à rignac. Et, le soutien spirituel, tu rentres dans le réseau de la personne. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon fils, comment tu vas? Quand tu soutiens quelqu'un spirituellement, tu as son dossier, tu as accès à lui. Et ce sont les moments difficiles de sa vie. Donc, tu as tout le CV. Le jour que ça ne va pas là, c'est trop tard. Donc, ceux qui prennent l'argent là, vous ne pouvez rien. Oh mon nom, Kékira. Cessez, oh mon nom, vous ne pouvez pas. Non, machallah, c'est comme ça. C'est pourquoi moi, je ne me casse pas la tête.
Non, je me casse. Quand je suis dans un truc là, je sais ce que je suis en train de faire. Je prends mon temps. Oh, la dame, elle est trop sûre d'elle. Oh, la dame, là, non, non. J'ai dit, Inch'Allah, qu'elle la mette. Je l'ai dit combien de fois même? Je l'ai dit trop, hein. Ou bien, mais rassure-toi que mes 5 prières là, avant de faire mon direct là, je vais faire mes 2 rakats. Je confie à Allah. Quand je finis encore, je fais 2, je le remercie. Mon chapelet, je le fais. Il est même où? L'électronique. Vous les connaissez même. C'est comme ça que je fais. Dieu le confie à lui. Je dis, Allah, aie pitié de moi. Je suis une femme. Les gens se moquent de moi. Pourtant, je suis avec toi. Je suis sincère avec toi. Le monsieur là, j'ai prié. J'ai parlé. J'ai eu des injures. J'ai risqué mon foyer. Tu m'as répondu. Alpha Condé est venu. Je le prends comme un cadeau. Je prends mon mari Doumbouya comme la réponse à la foutaise que j'ai eue. Donc, pour ça, il a droit à ce soutien-là, dans la limite du raisonnable. Mais s'il déconne, n'a lavé mané, recto verso, devant, derrière. Et pas mon nom, c'est cela. À mon nom, c'est cela, parce que nous sommes donné ma. Maman dit, nous sommes donné ma. Que tu en sois conscient ou pas, tu me dois. Spirituellement, tu me dois. Tu me dois plus que ce que Dadis doit à Toumba. Parce que pour moi-même, c'était public. C'est pourquoi j'aime les vidéos là. Même quand on ne me regarde pas. Je vous dis, c'est mes pièces à conviction. Mes vidéos de soutien là, je sors. J'ai été la première à écrire ici que tu es mon président. Le jour que je vais écrire, maman dit, Doumbouya, tu n'es plus mon président. Tu vas sentir ça là-bas. Wallah, Inch'Allah. Là où tu es assis. Tu vas, si tu es honnête, tu vas dire que la dame là, quand elle écrit ça, ça me fait un effet là. C'est ça la spiritualité. C'est comme ça que ça se passe. Vos faux sacrifices là. Ils vont faire tel sacrifice. Ils vont faire. Non, c'est des conneries, c'est faux. C'est archi faux. Même si tu es dans n'importe quel groupe de chayatine, je vais faire entrer ma plainte. Peut-être la plainte là peut prendre 3 mois, peut-être ça peut prendre 6 mois, peut-être ça peut prendre 1 an. Mais ma plainte sera reçue. Si je veux que tu sois ligoté, là, on va me demander quel genre tu veux. J'ai dit ligotage, saucissonnage, ou saucissonnimbé. Et puis on te saucissonne. Maintenant, si j'ai posé des pions chez les démocrates aussi, je dis, je veux suspension de démocratie entre 3 et 5 ans. Allah fait ça pour moi. Si cette démocratie-là est islamique, fais où? Mais si moi, je me bats pour toi, honnêtement et sincèrement, fais-moi ce. C'est des petits plaisirs, de rien du tout. Peut-être tu vas rester sur ça 3 mois, 6 mois, maximum 1 an. Et puis ça donne 0 sacrifice. Je gâche seulement mon sommeil. Mais quand l'heure là va arriver, même si on te fait dormir, je vais dire, les gens qui pensent que c'est l'islam qui va aider, ne vous découragez pas. Hein. Il y a une lutte. Celui qu'on a arrêté là, il pense que lui, il est dans son réseau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ceux qui sont en train de se battre, sont en train de se battre. Ils se battent avec les prières. Ça n'a rien à voir. Rien qu'ils vont prendre des armes, ils vont faire. C'est faux. Je vous ai dit, quelque chose va se passer, je ne sais pas c'est quoi. Et à quel moment. Inch'Allah, c'est Allah seul qui le sait. Mais ça va donner. Le changement de la Guinée viendra dans le sens islamique. Vous n'avez pas besoin d'arrêter les gens. Pour ça. C'est tout ce qui m'a énervé avec Moussa Alpha Condé. C'est-à-dire, lui, il a fabriqué des hommes politiques. Des gens même qui. Est-ce que c'est la même rapporte même? Je ne crois même pas. Arrêtez les gens n'importe comment. Vous donnez le nom aux gens. Vous les arrêtez n'importe comment. Vous leur donnez le nom. Les gens peuvent rester, certaines personnes peuvent rester chez eux, comme Foni Kemenge. Les gens du FNDC là. Mais je ne vois pas l'intérêt de leur façon de se battre. Mais je ne vois pas l'intérêt de les arrêter aussi. Je n'ai pas compris. Mais s'il y a incompréhension, quand je te donne des conseils à incompréhension, je te laisse. C'est tout. Parce que bon, je n'ai pas envie de bousculer les gens ou quoi que ce soit. C'est comme le colonel Mamadi Doumbouya. Je vais, de temps en temps, quand j'ai le temps, ceux qui me connaissent, comme les Yaris, ils là, ils vont comprendre comment je fais. De temps en temps, je vais sortir ma petite tête pour le rappeler. Je sors ma petite tête, je le rappelle. Je sors ma petite tête, je le rappelle. Jusqu'à le moment de ça, là, va arriver. Quand le moment va arriver, je vais faire, Inch'Allah, tranquillement, sans problème. Je ne lui dois rien. 0. S'il y a quelqu'un qui me doit, c'est lui qui me doit. Qu'il l'accepte, qu'il l'admette, qu'il ne l'admette pas, il me doit. Le CNR2 me doit. Spirituellement. Il faut que ce soit clair.
Donc, votre frappe là, ça sera spirituel. Si je vous ai apporté et que vous pensez que vous allez me dribbler spirituellement, vous n'allez pas me dribbler. Ça ne marchera pas. Je vais faire entrer ma plainte. Moi, je sais comment faire entrer les plaintes spirituelles. Je vais faire entrer, je vais insister. Je vais insister. Ils me doivent les trucs islamiques là. Un peu de sunna, donner l'autorisation aux religieux, le salaire des religieux ou une prime pour les religieux, il faut que je répète tout ça encore, interdire les faux cheveux, interdire le produit écrasissant, parce que vous dites que vous êtes panafricaniste. C'est ce que vous avez dit. Donc, si j'ai apporté, c'est à cause de ça. C'est par rapport à ça. Et j'insiste dessus, si vous rigolez avec ça, vous allez être très, très déçus. Wallahi, très déçus et très surpris, Inch'Allah. Moi, j'ai rien à perdre. Rien. Je ne perds pas. Là où je suis, là, j'ai des... C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, surtout dans un pays comme là où je suis, c'est que ça arrive à un niveau là. C'est-à-dire, quand tu es... Tu crois en Allah d'une certaine manière, c'est advienne que pourra, quoi. C'est-à-dire, c'est ce mot d'ailleurs à Kiyoki. Yogi Suleiman, tu veux savoir, il est en train de me poser les questions. Il faut chercher, tu sauras. il ne faut pas me faire rire, hein. Je suis au sérieux, parce que si je ris là, on va penser que je rigole. Je ne rigole pas, je suis très très sérieuse. Je suis très très sérieuse dans ce que je suis en train de faire. Vous savez, j'ai porté le noir là. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Ça là, j'aime ça. C'est ça qui donne la force, machallah. Donc mon frère, ta répétition là, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées de ça. Fais attention à toi. Fais très très attention à toi. Tu ne fais confiance à personne, c'est normal, c'est logique, je le comprends. Tanta, comment tu vas? J'espère que tu vas bien mon frère. Je comprends que tu ne fasses confiance à personne. La façon dont tu es venu au pouvoir, tu vas faire confiance à quelqu'un. Justement, il faut te rapprocher de ton créateur. C'est lui qui peut te protéger. Oui, et te guider. C'est ça que vos marabouts ne vous disent pas. C'est la partie là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la partie là. Qu'un marabout dise ou un religieux conseille un président. Pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Arrête de perdre ton temps avec les artistes là. Les gens là même sont perdus. Ils sont en train de chanter la paix depuis combien d'années? Vous avez la paix? Ils sont en train de chanter le développement depuis combien d'années? Ça développe? Quelqu'un qui est raté, qu'est-ce qu'il va te montrer? Parce que ça fait mal ce que j'ai dit, mais c'est ça la vérité, mon frère. Et ça va vous apporter quoi? Est-ce que ça a apporté depuis? Ça a apporté quoi? Depuis? Ça fait un an. Ça dégringole tous les jours. Les erreurs s'accumulent tous les jours. Mais dis donc, ça ne peut pas aller comme ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas combattre l'injustice en commettant une autre injustice. Non. Il faut négocier. La façon de faire avec les Foniké Mengela. Comme je le dis, des deux côtés, ce n'est pas bon. Oui, oui, oui. Kemo Kamara, toi, tu étais opposé au régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Quel est ton projet ou bien le CNRD te doit, si c'est vrai, viens en Guinée pour ton argent. Ah, mais Kemo, tu n'es pas informé. Tu n'es pas bien informé parce que je viens de la Guinée. Ça, c'est un premier point. Le CNRD me doit les lois, certaines lois qui nous arrangent, nous, les femmes voilées. C'est ça qu'ils me doivent. Ou bien tu n'es pas informé. Je me suis opposé à Alpha Condé, mais je l'ai soutenu aussi. Avant qu'il paye des perroquets ici qui l'ont fait tomber, parce que c'est sa communication qui l'a fait tomber. C'est pas moi, hein. C'est les gens qui communiquaient pour lui. Ou bien, et c'est les mêmes qui vont faire tomber Mamadou Doumbouya aussi. Parce qu'ils ont la poisse. Atanima. Voilà. Tu me dis que je m'oppose à Mamadou Doumbouya. Mais pourquoi tu as oublié quand je l'ai soutenu ou quand je le soutiens? C'est ça le problème. Vous venez tomber sur les vidéos. Vous ne suivez pas la personne régulièrement. Je suis dans mon droit. C'est comme ceux qui m'en veulent parce que je le soutiens. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit tout ça. Le jour que tu vas commencer à le critiquer, automatiquement, il y a des gens qui vont dire, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est juste incroyable. Je ne sais pas c'est quel genre de peuple, ce peuple-là. C'est pourquoi c'est compliqué. Vous méritez ceux-là. C'est ce que je dis, c'est pas facile de les combattre, puisque nous les méritons. Et même s'ils partent, c'est les mêmes qui vont revenir. Alpha Condé, je n'ai aucun regret.
Je n'ai aucun regret, aucun. Si c'était à refaire, j'allais le refaire et d'une autre manière. Oui. Ah, tu t'es opposé à ne pas connaître. Mais on dit, ouais, je le soutiens. Mais s'il déconne, je le dis. Oh ben, tu sais pas ça. Vous voyez, les gens d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, ils m'en veulent. Mais moi, vous n'avez pas à m'en vouloir. Moi, j'étais dans mes droits. Je ne voulais pas de lui. Je l'ai fait savoir et il est parti. Et puis, j'ai bien fait. J'ai très, très bien fait. Maman dit, moi aussi, si je ne veux pas de lui, machallah, entre trois ici, moi, il va partir. Là où il est assis, là, il le sait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il me doit. Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne suis pas pauvre. Mais l'argent de Facebook, là, je ne veux pas ça, mon frère. L'argent pour défendre la Guinée, merci beaucoup, je n'en veux pas. Qu'Allah ne m'amène pas à ce niveau de pauvreté-là. Qu'il me donne le minimum pour que au moins je m'asseye ici. Quand je vais te soutenir, je te soutiens. Quand je vais sortir, je sors. Vous avez dit qu'il y a la cellulaire de l'eau. Il m'a payé. Ou bien, aujourd'hui, il ne me paye plus. Ah, d'accord. Okay. Mais les gens de la cellulaire de l'eau aussi ont dit que mon mari de moi me paye. Mais aujourd'hui aussi, il ne me paye plus. Ah, ok. Pourtant, ceux qui sont payés ne sont pas cachés. Seulement la foutaise sur moi. Et c'est la foutaise sur moi là qui fait que ce que vous voulez souvent, vous n'obtenez pas. Bernard Lebeau, vous m'avez insulté ici, hein? Ou bien? Il est parti ou bien il n'est pas parti? Il est parti. Et comment? Et voilà. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Vos sœurs ne peuvent pas le faire. Vos mamans ne peuvent pas le faire. C'est très, très particulier ce que je fais. Aujourd'hui, vous criez Toumba, 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 Toumba. Mais ce que je fais là, c'est ce que Toumba a fait à peu près à sa manière. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il faut rester derrière Doumbouya. Qui t'a dit de quitter derrière lui? J'ai dit à quelqu'un si de quitter derrière lui. Non, 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 mon frère, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de quitter derrière lui. Il faut regarder la vidéo au début. Toi, tu es derrière Doumbouya bas. Tu es devant lui, bah, ça ne change rien. Nous, on connaît les gens qui donnent le poids dans ce pays-là. Tout le monde les connaît. Quand tu combats, ça tombe. Quand tu soutiens, ça monte. Ça, c'est pas caché. Toi, tu ne peux rien apporter à Doumbouya. Sinon, tu aurais apporté à Alpha Condé. Pourquoi tu n'as pas apporté à Alpha Condé? Il y avait deux choses. Quand tu soutiens quelqu'un, il y a deux choses. Avant qu'il tombe, tu quittes derrière lui. C'est les deux choses-là. Ou bien tu le conseilles. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein. Comme ce que je suis en train de faire. Vous n'avez pas fait ça. Non! Il faut les répondre, Yari. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu es resté derrière Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. On l'a attrapé. Toi, tu soutiens mon mari, moi, ça va lui apporter quoi? Mais ça va lui apporter la chute. Ou bien tu ne comprends pas la mathématique là. Mon frère, c'est simple. Ça veut dire que Rata Nema. Ça veut dire que tu n'apportes rien à personne. Ça veut dire que tu es zéro et que tu es nul. Et mon mari, moi, même sait que tu es nul. Mais comme lui aussi, il n'a rien à la tête, on dirait qu'il a un problème mental. Mais bon, on verra avec le temps. Mais si j'ai envie d'attaquer quelqu'un, je vais l'attaquer. Mais je vous le dis, je répète, le 5 septembre, le bonheur qu'il m'a donné le 5 septembre, la joie qu'il m'a donné le 5 septembre, je ne suis pas prête à oublier ça. Non. Donc, ça me freine énormément. Beaucoup. Mais ça a des limites. Vous avez compris? Voilà. Et je dis et je répète, l'argent de Facebook ou de la Guinée, pour parler de la Guinée ou défendre la Guinée, ça ne m'intéresse pas. Je suis très pauvre. Mais je ne veux pas l'argent là. Non. Et je prie Allah qu'il ne me fasse pas tomber jusqu'à ce niveau-là. Vous n'avez pas vu, même monétisation, je n'ai rien dit dedans. Oui, si tu aimes la personne, tu le conseilles. Même si tu n'aimes pas la personne, l'acte que la personne a posé. Parce que le plaisir qu'il a fait le 5 septembre, là, en tout cas, moi, pour moi, ça, c'est quelque chose de très grand. De très, très grand. Donc, c'est dommage qu'il se comporte de cette manière. Barry, comment tu vas, mon frère? C'est très, très dommage. Il peut mieux faire. Il peut beaucoup, 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 beaucoup mieux faire. Beaucoup, 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 beaucoup mieux faire. Mais Bernard Lebeau, quiconque a soutenu Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, je le dis et je le répète, tu ne peux rien apporter à Mamadi Doumbouya. Rien. Sinon, il faut aller rapporter à Alpha Condé. Et là, c'est compliqué à comprendre. Celui qui vient attraper Alpha Condé, tu ne l'as pas sauvé de celui-là. Tu vas apporter quoi à celui qui l'a attrapé? Est-ce que ça même, ça a un sens? Ça même, c'est une comédie, une plaisanterie mélangée. Bernard Lebeau, on t'a vu ici le temps d'Alpha Condé. Vous n'avez rien apporté à ce monsieur-là. Rien du tout, que les problèmes.
Et c'est le même problème que vous êtes en train de transporter au pauvre monsieur. Ça, c'est même pas un débat. Ça s'est passé public, bébé, devant tout le monde. C'est parce que certains Guinéens sont comme ils sont. Donc voilà, il y a des gens, leur soutien, ça te crée des problèmes. Bernard Lobo, c'est un traître, d'accord. C'est toi qui dis tout. Tu dis que tu es derrière lui, tu dis que c'est un traître. Maintenant, Yaris, il l'a. Quand tu dis de ne pas répondre à certains commentaires, comme je l'ai répondu, il a dit non. C'est pas lui qui a écrit ici que c'est qu'il est derrière lui. C'est pas lui-même encore qui dit que c'est un traître. C'est-à-dire, quelqu'un est un traître, mais tu es derrière lui. Ah. Alors moi, je le soutiens par quelque chose, à cause de quelque chose de bien déterminé. On va pas répéter ça. Mais quand il est dans l'erreur, je vais les laver propre avec l'acide même. Et puis, il ne peut rien. Wallah, Amoun Oma, c'est là. Là où il a assis l'acide, mais regarde, il dit, mais la dame là. Et les gens qui me connaissent lui disent que la dame là, évite là, mon frère. Il faut l'éviter. Fiu. Si vous ne savez pas, d'ailleurs vous savez. Donc Bernard Lobo, si tu veux soutenir Mamadi Doumbouya, et que tu avais sauvé Yolo Yala, et si tu avais soutenu Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, tu ne peux rien apporter à Mamadi Doumbouya, ni à un autre homme politique. Ça là, je suis formel là-dessus. Je sais de quoi je parle. Ah oui, bien sûr. En tout cas, ici, nous avons connu Mamadi à travers votre invité qui lui avait dit d'aller prendre le pot. Oui! Oui. Tout à fait. C'est ça? Mais ils ont oublié ça aujourd'hui. Il a oublié ça ou quoi. Mon hijab me va bien. Je veux que tout le monde porte ce hijab-là. Machallah, qu'Allah fasse ça pour moi. Parce que lui-même, il aime ça. Je suis en train de lui demander ce qu'il aime. Donc, je vais dire mon petit mensonge là encore. Dans quelques années, quand l'Arabie Saoudite va commencer à distribuer de l'argent, maintenant tout le monde sera en hijab. Ce sera l'intérêt opportuniste. Wallahi, l'opportuniste. Il m'a dit qu'il y a qui qu'il aime. Il m'a fait une rame apporter à lui. Mais il m'a apporté à Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi, toi, tu ne peux pas voir ça. Mais dis-moi, mon frère. Il ne faut pas te mettre à terre. Je te croyais plus intelligent que ça. Tu sais, moi, quand je te mets là-haut, là, et puis je te vois que tu es plus bas que là où je te mettais, ça me déscience, quoi. Il m'a bérimanembé, quoi. Donc, mon frère, il faut bien réfléchir. Tu prends un stylo. Bah, tu sais écrire au moins. Tu prends un stylo. Côté positif et négatif, tu écris. Quoi éviter? Alpha Condé n'est pas un exemple. Non. Il n'est pas un bon exemple. S'il t'a fait fantasmer pendant que tu étais petit, moi aussi, il m'a fait... Oui, je l'appréciais beaucoup, malgré que je ne votais pas. Et j'étais dans une zone là où on n'osait même pas parler de lui. C'est-à-dire, la politique guinéenne, là, ça donne envie de vomir. C'est les Morianais là que j'ai vu maintenant. RPG, parce que le monsieur est venu au pouvoir. Avant, quand moi j'étais petite, je parlais de RPG. Les gens me disaient, est-ce que toi tu n'es pas... C'est-à-dire, moi j'ai même la spécialité d'aller là où personne ne va. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi je suis comme ça? Et puis les gens profitent de ça. Donc moi je vais balayer, vous allez venir manger. Il faut manger, vous avez faim. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis généreuse, je peux vous donner à manger. Mais vous allez venir salir mon travail. Parce que là où vous venez, c'est la saleté que vous apportez. C'est ça mon problème. Et je ne veux pas laisser le coin propre pour que vous passez et vous prenez le crédit. Non. Rata tué nara. Mais le crédit, tu m'as entendu un brebis. Adé. Il te fait faire des nakis, nous, rata. Tout le monde me demande ce que je pense de Toumba. Je ne le suis pas trop, mon frère. Je n'ai pas trop le temps. Wallahi, je n'ai pas trop le temps. Son côté coranique, là, j'ai beaucoup apprécié parce que vous savez que souvent, les hommes politiques, je leur dis que s'ils sont musulmans, ils n'ont qu'à faire des choses comme ça. Et Toumba l'a fait. Et vous voyez, c'est Allah qui veut montrer que l'islam donne la puissance. L'islam peut amener du monde. Même s'il n'est pas sincère, il est sincère, il a tort, il n'a pas tort. C'est pas ça. Mais quelqu'un qui est ton exemple, le prophète paix et salut sur lui, tu ne peux pas le citer comme exemple publiquement. Je l'ai dit régulièrement. Et lui, il l'a fait.
Et puis lui, il l'a fait. Non, ma chérie, j'ai vu beaucoup de femmes qui se sont voilées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, j'ai été très, très, très agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça parce que ça faisait 4 ans que j'étais partie. Mais je vois qu'on ne les respecte pas. Voilà, on ne les respecte pas. Par exemple, au passeport, je ne sais pas si ça a changé. On leur demande d'enlever leur voile publiquement devant tout le monde. Il y a des gens qui sont là, tout leur rêve, c'est de voir la tête de ce que vous vous cachez, quoi. À l'aéroport, on te demande de montrer les oreilles. En classe, quelquefois, on se moque des filles qui portent le voile. Ben, quelques rares fois, on ne veut pas qu'elles portent le voile. Pendant les examens, c'est un gros sujet, c'est un sujet, c'est un problème. Mais ces gens-là, ils sont venus au pouvoir. Comment? On n'a pas voté pour eux. On n'a pas voté pour eux. Donc, c'est ça mon problème depuis le début. Moi, c'est ça mon souci que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Donc, je me suis dit, au bout de 3 ans, par exemple, une prime ou un salaire pour les imams, bon, on ne va pas revenir sur tout ça, et tout, et tout. Mais on ne voit même pas, ils sortent même pas ce côté, quoi. Même pas, même pas, même pas. Voilà, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, en tant que musulman, si toi tu dis que c'est l'islam qui va sauver le monde, c'est l'islam qui va sauver l'humanité, mais pourquoi ton pays qui est un pays en lambeaux ne va pas commencer? Mais que la Guinée commence, que la Guinée donne le coup d'envoi, pourquoi pas? Ils sont au Rwanda là-bas. Qu'est-ce que je n'ai pas dit par rapport au Rwanda? Ils partent au Rwanda, les Rwandais viennent en Guinée pour s'inspirer du Rwanda. Les gens qui ont fait la guerre. Maintenant, vous allez nous dire que ah, on veut attaquer la Guinée. Mais qu'est-ce que le CNR va faire dans les pays qui ont connu la guerre? Hein? Ils vous attirent pourquoi? La Sierra Leone, 10 ou 11 ans de guerre. Le génocide rwandais, ils vous attirent pourquoi? Maintenant, vous allez dire qu'on va vous attaquer, qu'il y a des, je ne sais même pas des quoi, qui vont venir quoi, 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 quoi. Non, non, non. Ce genre de lutte-là, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas rallonger la vidéo, c'est spirituel. C'est simplement spirituel. Donc, moi, ce que vous me devez là, l'argent là, je n'en ai pas besoin. Porte là, ça ne m'arrange même pas. Nous voulons nos petits droits là. Oui, c'est ça mon souci. Les autres là ne peuvent pas dire ce que je suis en train de dire. Mais c'est des femmes qui souffrent au fond d'elles. Quelqu'un ne va pas décider de se couvrir dans un pays là où les gens sont en majorité musulmans. Votre laïcité, c'est votre problème. Ça, ça ne me regarde pas. Et que on veuille les humilier à tout bout de champ, quoi. Ça, je me mets à leur place. Voilà, ça c'est un truc que je ne peux pas cautionner. Normalement, ça, c'est le travail de tous les musulmans guinéens. On n'impose le voile à personne, on ne dit à personne de se convertir, on ne vous dit pas de... Je ne sais pas, c'est pas ça mon problème. Mais, faire passer des consignes, par exemple, à l'aéroport, je ne comprends pas. Les Français ne nous demandent pas de montrer nos oreilles. Les Américains n'ont plus. Donc, la Guinée a plus besoin de sécurité que ceux-là. Mais non. Je ne crois pas. Je ne vois même pas le lien. Je ne vois pas le lien. Vous encouragez la débauche. Vous recrutez les débauchés. Celles qui se couvrent, au lieu de les encourager et qu'ils aient leurs petits droits pour qu'ils rafouent. Vous voulez les... C'est-à-dire, on veut les complexer, coûte que coûte, quoi. On veut complexer ces femmes voilées-là, mais coûte que coûte. Mais ça ne peut pas marcher. Non, c'est ça mon problème. Donc, mon Amina là, ou mon Douaou là, si Allah l'a pris, mon frère, si tu ne fais pas ce que je veux, tu seras très, très surpris. Wallahi. Très désagréablement surpris. Nous, à l'attaquer. Moi, je ne joue pas avec ça. Non, 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 non. Moi, ma solution n'est pas démocratique. Hein. Non. Et les prochaines élections, les démocrates, là, vous ne proposez rien pour nous. Vous serez surpris. Donc, il faut que le CNRD là donne le coup d'envoi d'abord. Qu'il voit que l'affaire, là, c'est vrai. Vous pensez que c'est pour arrêter celui que vous avez arrêté là. Non, 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 non. Vous vous trompez. Il faut même laisser celui-là tranquille. Laissez celui-là dans son truc. Lui, il parle seulement. Lui, il est en train de parler seulement. Quand quelqu'un... C'est pas sa lutte principale, non. Et qui même... Ce que moi, j'ai fait là, ce que j'ai dit, qui dit ça même? À qui a pris ça pour poser sur sa tête comme bagage? Qui? Pas grand monde. Donc, si les gens le font... Et oui, il a les doigts et les accepte, mon frère. Surtout de ce que lui, il aime.
Je n'ai pas dit à Allah de me donner la voiture. Je n'ai pas dit de me donner l'argent. Je n'ai pas dit de me donner le poste. J'ai dit de faire en sorte que la Guinée et que l'humanité fassent ce que Allah aime. Il va refuser ça. Mamadi Doumbouya. Il ne va pas refuser ça. C'est une question de temps. Et comme tu es dans une position inconfortable, c'est la solution que je suis en train de te donner comme ça là. Mm-hmm. C'est ça la solution. Personne ne va te dire ça, go. C'est ce que j'ai dit ici au Amadou Damaro et au Kasso du Foukona. J'ai dit ce que je suis en train de vous dire là. Vos femmes ne vont pas vous dire ça. Hein? Non, non, non. Parce qu'elles sont en train de voir leur intérêt qui sera coupé. Et voilà, même, c'est même coupé définitivement. Hein? Tandis quand on vous parle, vous voyez une logique dans ce qu'on est en train de dire. Vous savez que c'est vrai. Mais si on ne dit pas encore, vous allez dire qu'on n'a pas dit. Ah, mais pourquoi tu n'as pas dit? Et quand tu dis encore, ah, soit elle est folle, soit elle veut l'argent parce qu'on ne fait rien pour rien. Vous allez me donner quel argent? Oui! C'est-à-dire, c'est les femmes pieuses là, pardon, qui peuvent toi consolider ton pouvoir. C'est les femmes pieuses là qui consolident les pouvoirs. Et non, même pas, regardez les coribes, faire les sacs, c'est faux. Mon frère Oulenara, c'est faux. C'est archi faux. Si c'était vrai, Alpha Condé n'allait pas quitter le pouvoir. Toi, tu peux attraper Alpha Condé s'il n'y a pas une force derrière. Toi, tu peux enfermer Kasso s'il n'y a pas une force derrière. Toi, on va dire Doumbouya. Tu peux. Mais tu as fait tout ça. Pourquoi tu te balades avec un bataillon? Pourquoi tu te balades avec un bataillon? C'est parce qu'il y a un problème. Hé, hey, si je ne te dis pas ça, je vais te mentir. J'ai un demain. J'ai un avenir. Les gens qui me traitaient de vendu, aujourd'hui, ils ont honte. Parce qu'ils voient que ce n'est pas ça. Moi, j'ai mon programme. Je vous ai dit que j'ai mon programme. J'ai mes projets. C'est dans le sens islamique. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai prié Allah pour ça, qu'il me donne cette force. Je vais faire ça toute ma vie, Inch'Allah. Oui, oui, oui. Vous avez les meilleures solutions parce que tout ce que vous êtes, c'est le sens d'Allah. Les nuits de prière, les doigts, c'est fort. C'est très fort. Et c'est ça que je lui donne comme conseil. Toi, tu ne peux pas te lever la nuit, tu pries. On t'a donné un pays, mon frère. Tu vas fermer les frontières, tu vas arrêter Paul, tu vas arrêter Mabinti, tu vas arrêter Aïssata, tu vas... Prie. Tes cinq prières, tu ne les rates pas. Même s'il y a quelle réunion. Moi, il faut vous renseigner. Partout où j'ai été en Guinée, l'heure de prière arrive. Même si tu es qui, je vais prier. Il faut vous renseigner. Je vais prier mon heure de prière. Ce qu'on est en train de faire, on va arrêter. On va prier, fais où? Vous pensez que c'est parce que je veux montrer que je suis musulmane? Non. Je veux montrer que là où je suis arrivé, là, qu'Allah me donne la force là-bas aussi. Qu'il fasse rentrer la force de là où je suis là. C'est spirituel. Toi, tu as un pays en main. Tu fais les sacrifices, ça ne donne pas. Hé, hey, Doussou Amara Bama l'air biringré. Anaraba tu ya kolumana maraba malere biringa dusu. Nasara kuntare nun mrene rena cette manette. Les gens qui sont à côté, ils ne lui font pas confiance. Pourquoi? Parce que lui-même. Bernard Lebo, tu sais quoi? Il faut quitter ici, hein? Toi, tu n'as pas de version, Bernard Lebo. Toi, tu parles en fonction de ton humeur, apparemment. Parce que tous les commentaires que tu as écrit ici, c'est changeant. Donc, laisse-moi parler. Après, je vais revenir peut-être. Donc, la fin, là, Bernard Lebo. Tu étais avec Alpha Condé, non? Vous savez qu'il y a des gens dont je me rappelle. Ou bien, je me suis rappelé de toi aussi, tu t'es rappelé de moi. Car, ok, d'accord. C'est bien. Ce que je veux t'expliquer, quelqu'un qui est en harmonie avec Allah, comme ce que le monsieur vient de dire, tu te lèves les nuits, tu, voilà, tout ce qu'il y a écrit là-bas, on ne va pas revenir sur ça. Toi, tu étais avec Alpha Condé. Tu l'as soutenu. Il a fait beaucoup de bêtises, ou bien, beaucoup d'erreurs, ou bien. Ce que vous ne savez pas, avant que vous ayez les perroquets payants, là, les patriotes en location, là, moi, je soutenais d'abord Alpha Condé. Moi, c'est toujours le même scénario. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ils se disent, ah, on la paye. Quand on arrête de la payer, elle te combat. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre. Toumba va vous expliquer pour moi. Parce que lui, là, vous l'écoutez. Il est en train de vous expliquer. Un peu. Vous allez un peu comprendre. Inch'Allah. Combien de personnes sont quittées derrière Alpha Condé avant le 5 septembre, Bernard Lebo? Combien?
que toi personnellement tu connais, des gens connus ou des gens anonymes, combien? Parce que Allah ne voulait pas les faire honte. Okay. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois. Quand tu soutiens quelqu'un, quand il est dans l'erreur, tu le lui dis pour lui éviter la honte ou pour t'éviter la honte à toi-même. C'est Allah qui fait ça. Il te guide pour ça. Si la personne ne comprend pas, si la personne n'écoute pas, on va dire, ah, ils sont beaucoup, Bernard Lebout, voilà, ils sont beaucoup. Mais toi, tu n'es pas quitté derrière lui. Car, ah, et bien, attends, tu n'as qu'à Kenan, non, dis, non, vraiment, vraiment, ma Kenan. Ah, Bilinkane, c'est mes anciens amis. Tu vois? Donc, il va faire en sorte, comme ceux que tu dis là, qui sont beaucoup, ils vont quitter derrière parce qu'ils ont un certain lien avec Allah qui fait que vous qui n'êtes pas quitté, toi, Bernard Lebout, ils vont te, ton frère ou ta soeur ou ton ami va te dire, ah, moi, Alpha Condé, franchement, là où c'est là, moi, je vais, ah non, non, moi, je ne quitte pas. Alpha Condé va faire même 4e mandat. Et toi, il faut quitter là-bas. Nous, on est dedans. Maintenant, quand le 5 septembre est arrivé, toi, Bernard Lebout, eux et toi, là, qui a eu plus honte? C'est toi. Ou bien, logiquement, je ne sais pas ce que tu vas encore écrire. Ou bien, c'est faux. Appelez Diallo, je vais lire après, je vais finir avec le bout là. Ou bien, tu as eu honte de, au fond de toi, ou bien, ton frère là, ou les gens que tu connaisses là, qui sont quittés derrière, qui tu dis là, qui sont beaucoup, parce que ce que tu as dit, ils sont beaucoup, c'est ce que tu as écrit. Eux, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit, ah, nous on t'avait dit, c'est ça on avait vu. C'est-à-dire, c'est, ça veut pas dire qu'ils vont voir, mais Allah les enlève devant la honte. Alpha était trop sûr de lui. Voilà, mais j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas revenir sur ça. J'ai déjà parlé de la partie-là. Et c'est cette fausse assurance-là que Mamadi veut prendre. Et c'est ce que je suis en train de lui dire, que lui, pour l'enlever, c'est plus facile qu'Alpha Condé. Mais je pense qu'il n'a pas compris la partie-là. Parce qu'il faut que je lui dise, il n'a qu'à comprendre. Donc, quand moi, je soutiens quelqu'un, moi, Bernard Lebout, je ne fais pas comme toi, je fais comme tes amis-là qui ont quitté. Je te dis, Alpha Condé, quand je l'ai soutenu, c'était comme ça. C'est pas bon, je dis. C'est pas bon, je dis. C'est pas bon, je dis. Mais il ne faut pas écouter ça. Il est malade. Il a eu sa constitution. J'ai déjà la constitution. Qui va m'arrêter? Il y a eu les élections. J'ai déjà gagné. Qui va m'arrêter? Mais moi, j'ai continué. Parce que moi, je savais qu'il allait partir, Inch'Allah. Mon frère, la chose que j'ai participé à construire, je peux participer à sa destruction. Allah peut m'aider à ça. C'est pourquoi quand vous parlez de votre problème d'argent et de poste, j'ai dit, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais avec le temps, on va se comprendre. Avec certains, Inch'Allah. Peut-être, ça dépend, on verra. Donc, toi, Bernard Lebout, ceux qui ont quitté derrière Alpha Condé, tes amis qui sont beaucoup là, ou en tout cas tes connaissances là, et toi, quand on vous met face à face devant moi, Marie Sitoko, qui ne connaît rien là, ceux qui sont quittés derrière Alpha Condé, quand ils vont me dire qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya, et toi, Bernard Lebout, tu dis que tu soutiens Mamadi Doumbouya, même si vous êtes 10 millions, ceux qui étaient jusqu'au 5 derrière Alpha Condé, avec toi, Bernard Lebout, vous êtes 10 millions, et ceux qui sont quittés derrière Alpha Condé, ils sont 5, ils disent qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Spirituellement, moi et mes yeux, ils ont plus de poids. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une certaine bienveillance. Allah les guide par rapport à vous, parce que l'humiliation là, Allah leur a évité cela, et ils peuvent apporter à Mamadi Doumbouya. Mais Bernard Lebout, toi, même si toute la Guinée réunie, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, tous ceux qui ont soutenu Alpha Condé jusqu'au 5 septembre, vous ne pouvez rien apporter à Mamadi Doumbouya, ni à un autre chef d'État. Je suis formelle là-dessus. Maintenant, ceux qui ont quitté, même s'ils ont quitté le tax, c'est qu'ils ont senti quelque chose. C'est que Allah voulait les enlever là. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui ont vécu cette expérience, s'ils soutenaient vraiment ce monsieur-là, au fond de leur cœur et au fond de leurs âmes, Bernard Lebout demande pardon à Allah. Allah, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses honte comme ça? Tu dis que ceux qui sont quittés derrière Alpha Condé, ils étaient frustrés. Mais mon frère, ils étaient derrière lui pour quelque chose. Si ça ne marche pas, ils vont rester derrière pour quoi?
Quand tu votes pour quelqu'un, tu votes pour lui, pourquoi? Peut-être pour une école, pour une... Comme moi, là. Moi, c'est très simple. J'ai déjà énuméré, on ne va pas revenir sur ça. J'ai dit, maman dit, ce n'est pas un démocrate. On peut profiter de sa venue à lui. Les religieux, tous ces gens-là. Pour se positionner. C'est tout. Avant que les démocrates viennent, là. Mais nous aussi, nos petits doigts de Amina, là, ça peut l'accompagner. Ça l'accompagne même. Plus que 50 000 concerts. Plus que les concerts tous les jours. Parce que si les concerts apportaient, c'est les mêmes chanteurs. C'est les mêmes personnes. C'est la même racaille. C'est à lui qu'ils vont apporter. Ils ne vont rien lui apporter. C'est-à-dire, je suis formelle de ça comme je suis sûre de ma mort. Dis donc, toi aussi. Il faut se respecter. C'est-à-dire, quand je dis de se respecter, c'est pas moi, mais respecte. Tu respectes ta personne. Adam a dit, la ma était bigna. Il était kaya bigna. Donc, Bernard Lebeau, c'est pourquoi je te dis que les gens comme toi, même si tu soutiens Mamadi Doumbouya, pour moi, je vais voir que c'est un échec. Il va échouer. Vous allez le faire échouer parce que vous, vous trimballez l'échec. Amina, Amina, Amina. Boulère, c'est ça? Amina, Amina, Amina. Toi aussi, qu'Allah t'assiste, qui te protège. Merci beaucoup. Amina, Amina. Il faut continuer les invocations. Hein? Tous les gens de l'islam, là. Il faut dire que Allah fasse que les autorités guinéennes, même si vous n'êtes pas avec eux, que les autorités guinéennes fassent ce que Allah aime. Que la population guinéenne, que l'humanité fasse ce que Allah aime. C'est parce qu'on fait ce qu'ils n'aiment pas que nous sommes dans cette situation. La majorité fait ce qu'ils n'aiment pas. Où il y a des belles âmes qui sont allées du mauvais côté. Quand les belles âmes vont être du bon côté, ça va changer. Non, Bernard Lebeau, ce n'est pas ça. Alpha ne pouvait pas aider tout le monde. Mamadi Doumbouya ne peut pas aider tout le monde. Personne ne peut aider tout le monde. Non, non, non. Mais il faut reconnaître que, comme Mamadi Doumbouya là, ils ont ce petit point commun là, des MP, des fils de Walia là, un peu. Ceux qui se sont battus pour Alpha Condé depuis. Quand on prend la maman d'Ousou Condé, qu'est-ce que ceux-là n'ont pas fait pour Alpha Condé? Même si on était tout petit. Mais regarde comment il s'est comporté. Donc, tes amis là, qui vous ont quitté là, peut-être que leur âme avait apporté un poids à Alpha. Donc, ils sont partis. Ça l'a affaibli. C'est une question d'âme. Si tu soutiens quelqu'un et que ton âme a une certaine puissance, tu le quittes, ça l'affaiblit. Ça, c'est automatique. Donc, tes amis là, moi je ne les connais pas, je les félicite. Ça veut dire qu'ils ont une certaine force. Toi, tu t'es dit que tu vas rester parce que, je ne sais pas, tu es loyal, j'en sais rien moi. C'est toi qui sais pourquoi tu étais avec lui. Mais c'était une évidence. Cet Alpha Condé avait une certaine assurance. C'était drôle et c'était marrant quoi. Ça, il me faisait rire. Je dis, ce monsieur, quand je vois certaines personnes, ils pensent qu'ils ont une certaine force. Ça me tue. C'est pourquoi quand je vois, on me dit, il me fait trop pitié. Il me fait trop pitié. C'est très triste. C'est très, très triste. Je vous ai expliqué ici. C'est les groupes qui font marcher ces gens-là. Ce que tu fais, ce n'est pas islamique. C'est quoi alors? Quand tu es laïque, tu sers qui? Selon eux, hein? Moi, je ne comprends pas. Donc, tous ceux qui pensent que l'islam peut faire quelque chose, je vous l'ai dit, ce n'est pas à crier dans les rues, Allah, Akbar, quoi, quoi, non, non. Faites des invocations déjà à haut niveau, faites des sensibilisations dans vos maisons, faites des sensibilisations avec vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs. Je vous ai déjà expliqué beaucoup d'exemples. Ça peut venir d'en haut, ça peut venir d'en bas. C'est pourquoi les frappes doivent être simultanées. De temps en temps, tu tacles par là. De temps en temps, tu tacles par ici. Là où Allah amène le truc, il amène. Tout ce que moi je propose là, il ne va pas le faire. Quelqu'un d'autre va le faire. Les autres regardent, les hommes politiques regardent. Il y a des gens qui regardent. Peut-être le prochain qui va faire le coup d'état. Allah se le sait. Quand Allah guide Mamadi Doumbouya et le CNRD, qu'il fasse ce que Allah aime. Moi, c'est ça mon problème. Oui,
c'est toujours ça. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Il a aidé des personnes, des intermédiaires. Oui, en Guinée, c'est ça. Même entre nous, quelquefois, tu dis, donne ça à Paul, on ne donne pas. Ou bien, tu veux voir quelqu'un, on dit, il ne veut pas te voir, ou bien, il ne peut pas te voir. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Quand je vois, par exemple, la forêt carrière, Mamadi était là-bas, il avait de bonnes relations avec certaines familles. Ça fait un an de pouvoir, il n'a jamais appelé ces gens-là. Mon frère, ça ne se fait pas ça. Il est là à donner 100 000 euros à des vauriens, des bonariens qui ne vont rien lui apporter. Ce que l'âme des familles a t'ont apporté, tu sais ça? Pourquoi le pouvoir, là, ça, pour le carrière que tu as pris? Pourquoi tu n'as pas pris à partir de Kanka? Ou bien d'ailleurs? Hein? Donc, tu vois, ce sont des trucs, ça, il faut qu'on le lui dise. Quand moi j'ai le temps, je vais le lui dire. Et vous savez, moi je ne suis pas tendre. Je ne suis pas très très tendre, Bernard. Pas trop. Non. Parce que quand je vois quelqu'un, t'as dit, tu vois un comité, quoi. Comment on appelle ça? Les abeilles, là où les abeilles sont là, tu mets ta tête dedans. Mais je vais dire que tu es fou. Parce que l'abeille, quand même, ça va te piquer. Quoi qu'il arrive, même si c'est toi qui te piques. Est-ce que c'est tes yeux ou ton nez ou ta bouche qui vont... Tu sais ça? Toi, tu rentres dans ça, comme ça, là. Hein? La chance que lui, il a eue. La chance que lui, il a eue. C'est pourquoi le Fonike Menguer, là, n'était pas emprisonné. Qui même a donné l'idée, là, au monsieur, là? Hein? Ça, c'est des gens qu'il pouvait utiliser. C'est pas compliqué. Ça, c'est des gens qui... C'est pas tout le monde qui peut être ministre. Aujourd'hui, il a approché des gens inutiles. Des gens bidons. Les narcos, les drogués. Et vous, non, cessez à porter d'armes. Cessez. Mais Fonike Menguer est mieux que cela. Mais ça ne veut pas dire que, comme ce que Fonike Menguer aussi a fait, c'est ça le problème de faire ça. Non. Ni Maria n'a qu'à n'a pas guéré de n'a la souma. Et ta mon nom est comme Massoudi Bouladi. Adé. Adé de mon nom. Bête n'a pas la bête en bé. Maintenant, si sa maman est décédée, il faut laisser aller le monsieur aller. Ben, il sera gardé certainement. Il va s'enfuir. S'il s'enfuit, je ne crois même pas s'il va s'enfuir. Mais au cas où, on ne sait jamais, parce que le Guinéen, on ne sait jamais. L'être humain, comme il est. Mais ça aussi, c'est un exemple pour dire que, ah, dorénavant, vous avez vu, non, lui, là, on a laissé, il s'est passé, si c'est passé, si c'est passé, ça. Et c'est quelqu'un quand même qui s'est battu, même si moi, je ne suis pas démocrate. Hein? C'est quelqu'un qui s'est battu. Ça, c'est quelqu'un qui pouvait être un homme de confiance de Mamadi Doumbouya. Il est mieux que beaucoup de voyous que tu as à côté de toi. C'est moi, les voyous là. Fonike Menguer est mieux que. Il est ce qu'il est. Moi, je ne suis pas content de Fonike Menguer. Vous le savez, je vous ai dit ici. Mais il y a beaucoup de personnes à côté de Mamadi Doumbouya. Fonike Menguer est mieux que. Wallah, il est mieux que. Il est mieux que 100 fois. Femiri Kakenara. Il a apporté bas. Il n'a pas apporté bas. Il a apporté 100% ou 2% ou 0%. Il s'est battu d'une certaine manière ou d'une autre. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Tu la trouves en prison. Ils sont partis. Je vais reprendre la vidéo là, Inch'Allah. Ils sont partis se promener à gauche, à droite. Ça a validé ton pouvoir, mon frère. Ça l'a validé. D'une certaine manière ou d'une autre manière. Peu importe. Ça l'a validé. Tu peux mettre cela en prison. Mais tu as emprisonné une partie de ton pouvoir. Oui, si tu ne connais pas, je vais te dire. Fonike Menguer que moi, je vois là. Il y avait plusieurs méthodes. C'est-à-dire, nous t'avons maintenant compris ma guerre à Féoukou. Pourquoi force la femme au Tama? Pourquoi vous aimez la force? Pourquoi vous n'aimez pas les gens qui vous donnent de bonnes idées? Fonike Menguer connaît le milieu politique. C'est même pas le rassemblement des jeunes, je ne sais pas quoi. Là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quelqu'un, si tu sais y faire, il faut. Fébir Nara, Baki Nara. Vraiment. Et dans son, et dans la et bat tes femmes sa femme. N'a pas tout fan, n'a pas tout fan. Alors, on est dans le cas de utiliser Fanny Wolé. Pé Marie, ou est-ce que tu vas être étiqueté de ça, que tu es ingrat. Mon frère, non, non, non. N'a pas tout fan. Non, 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 moi je ne peux pas voir ça et puis me taire. Même si tu te fâches ou même si je viens en Guinée, il faut m'arrêter. Ça aussi, ça sera. Alors, on a gagné pour moi. Moi aussi, je vais avoir mon nom. Que j'ai arrêté une femme voilée, tu vas voir maintenant, voile sincère, la force qu'il y a dedans. Allah wa quoi. Abiri Moufalama.
Non, il y a quand même rare les kobi. Ah, le rouillat. Ah, le vrai. Les gens là sont partis se promener partout pour te valider. Les hommes politiques, vous avez des problèmes. Ça, c'est notre débat. Tu vas avoir des problèmes avec tout le monde. Mais parler de la ménagère, là, compliqué. Mais parler de la ménagère, là, ça a toujours été compliqué. Mais bon, toi, pendant ton temps, il faut un peu bricoler. Au lieu, vous êtes en train d'acheter, de construire n'importe comment. N'importe comment. La population d'en bas est là. Laisse-le tranquille. Oh, n'importe quoi. Anara qui est derrière vous. À moi, Anara, que c'est un traître pro-Max. Dessous. Je vais arrêter la vidéo là. Hein? J'ai fini. Tu dis que c'est l'entourage, je me dis qu'il n'est pas bon. Ok, je suis d'accord. Il y a deux catégories d'entourage. Je vais répéter la partie. Il y a des gens qui l'ont aidé pour le coup d'État. Car, là, pour se débarrasser de ceux-là, c'est compliqué. Ça, c'est très, très difficile. Car, ok. Ceux qui n'ont pas l'aidé, ceux qui n'ont pas aidé au coup d'État, pourquoi approcher ceux-là? Ils vont lui apporter quoi? Quelqu'un qui ne t'a pas aidé à avoir le pouvoir, il va n'importe quoi. Logiquement. Maintenant, ils sont tous là-bas. Ça met la pression. Ah, est-ce qu'il est sincère? Ah, et lui, il était avec Alpha Condé. Ah non, non, lui, il le défendait. Mais bon, vous êtes là. Et toutes les personnes qu'on lui présente, en général, ça fait n'importe quoi. Ah, il faut approcher tel artiste. Il faut apporter... il faut approcher tel artiste. Tu approches l'artiste. Oh. Ah non, non, non. Il faut approcher tel. Il faut donner telle voiture à tel. Oh. Donc finalement, les gens qui sont à côté, il faut comprendre qu'il y aura des doutes sur eux. Ce qui fait qu'il y a cette tension. Tout ce qu'on... Lui, il pense que c'est un coup. Non. La façon dont les gens là sont guidés, c'est ceux-là, c'est leur espèce qu'ils te montrent. Et qu'est-ce qui fait que ce genre d'espèces-là vous attire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des catégories-là qui... Comment ça se fait que ceux-là t'attirent? Fonekemenge ne t'a pas attiré. Hmm? Tu peux te poser cette question. Qu'est-ce qui fait que certaines catégories de personnes-là vous attirent, d'autres ne vous attirent pas? Pourquoi? Tout en sachant qu'ils ne peuvent rien vous apporter. Donc, c'est dans la situation dans laquelle il se trouve avec son entourage. Et il y a des gens impossibles, c'est spirituel, c'est impossible de les liquider. C'est pas possible. Non. Parce qu'ils ont participé à ton arrivée, même si c'est 0,001%. Même si toute la Guinée te soutient. Mais si toute la Guinée n'a pas participé à ta venue, et que celui qui a participé à ton arrivée au pouvoir, c'est 0,001%, lui peut te faire tomber. C'est ce que je veux vous expliquer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il me doit. J'ai prié ici. Ha! Combien de nuits? Un gars qui a mis téléphone. Qui a mis. Donc, quand je vais m'asseoir la nuit encore, je vais dire, ah, Allah, nous, on nous demande toujours de montrer nos oreilles à l'aéroport. De, hein, Allah, on nous demande toujours d'enlever notre voile. De, est-ce que tu aimes ça? Il va voir si ça va donner. Ou bien si ça ne va pas donner. Il verra. Râle-t-il. Donc, Boussou, ton frère, c'est la partie-là. Que pourquoi Lia est en prison? Est-ce que moi, je sais? Je ne sais pas trop. Tu sais, tout ça, c'est compliqué. Ça va rallonger la vidéo, Inch'Allah, une autre fois. On va parler d'autre chose. Aujourd'hui, Alhamdoulilah, le réseau est très, très bien. Voilà. Ça n'a pas coupé. C'est une bonne chose. On va peut-être... essayer de se revoir une autre fois, Inch'Allah. La semaine prochaine, ça va être très, 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 très difficile. Je vais certainement disparaître pendant longtemps. Donc, vous qui connaissez le colonel Mamadi Doumbouya, il faut lui donner des conseils. Ceux qui sont à côté de lui, l'histoire va retenir. C'est vous qui êtes en train de bouffer aujourd'hui. S'il tombe, c'est vous-même là-bas. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous autres, nous allons encore faire? Comme moi, par exemple, je vais continuer mon truc. Et je dis, ah, tu sais, l'autre là qui était là, j'avais dit ça, hein? Et il n'a pas fait. Oh, toi aussi, c'est ça. Dit, on ne sait jamais.
Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le chef, il y a deux choses. Tu lui fais cadeau parce qu'on ne lui fait pas souvent des cadeaux ou tu lui dis la vérité parce que ce n'est pas tout le monde qui lui dit la vérité. C'est tout ce que vous pouvez apporter à Mali Doumbouya. Il veut des idées, il veut des solutions pour comment s'en sortir et éventuellement, comment s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est Allah qui peut faire ça. Quelqu'un qui n'est pas proche d'Allah ne peut rien faire pour toi, mon frère. Rien. Les marabouts là, et mon roma tira, tu leur montres la vidéo que la dame l'a dit, que vous ne pouvez rien faire pour moi. Rapproche-toi de ton créateur. Essaye de faire ce qu'il aime. Moi, c'est ce qui fait ma force. J'essaye de faire ce qu'il aime. J'essaye d'éviter ses interdits à lui. Donc, quoi qu'il en soit, wallahi, il va peut-être prendre deux de mes doigts. Mais les autres là, vous allez manger, jouer, vous amuser, raconter les mêmes choses qui ont fait tomber l'autre. Et on va venir te saucissonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous assiste, qu'il nous guide parce que c'est le meilleur des guides, qu'il fasse en sorte qu'on fasse ce qu'il aime. Tous les boulots sataniques, tous, Mamadi Doumbouya, tout ce que tu as avec toi là-bas, les canaris bas, les épées bas, c'est des conneries, mon frère. C'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne donnera pas, Inch'Allah. Ça ne peut pas donner. Non. Celui qui te donne l'épée, celui qui te. Hey, les kassouris là, les quoi, quoi, ils avaient tous l'épée, tu les as attrapés. Ou bien, c'est-à-dire, moi je sais, je ne comprends même pas. Je vais vous laisser. À bientôt, Inch'Allah. Allah rassembe fi dine l'islam. Allah rassembe fi ahamir fanyema. Aha ramir fanyera gerezo. Khanna Allah ramir fanyena yama. Aha sondom ma fe no nyane ki ma fe ma tu. Mwane na han nam ma gil islam fe kou. Aha ba ma. Na mwane nan nam ma. Yo. I khan moutan sa irende. On doit nous mettre au-dessus des autres, nous respecter. C'est ça mon problème. Si vous avez des sœurs qui sont dans cette situation, vous êtes là pour vous battre pour une autre cause, vous allez avoir honte. Demain, vous allez avoir honte. Parce que ce que j'ai dit là, Inch'Allah. Alors, colonel, Bernard Le Pau dit qu'il peut te rendre invisible, mais qu'il faut lui payer 150 000 euros. Mais Bernard, tu n'as pas donné ça à Alpha. Ah, c'est toi-même qui avais rendu Alpha invisible, n'y est. C'est pourquoi je l'ai vu du côté de Bambeto là-bas. Quand je l'ai vu, j'ai dit, toi là, tu es têtu. Alors c'est ça, c'est le jour là qui fait que je veux que Allah guide Mamadi Doumbouya. Wallahi, le 5 septembre là, la joie que j'ai eue le jour là, le monnaie que j'avais, le monsieur m'a levé le monnaie là. Je demande à Allah qui m'a guidé, qui m'a sauvé, qui m'a sorti des ténèbres, qu'il sorte ce monsieur des ténèbres, qu'il sorte tous les Guinéens et l'humanité des ténèbres, parce que c'est la seule solution. Ça sera ça, sa récompense. C'est-à-dire, quand Allah te guide, quand il te rappelle, quand il est avec toi, c'est-à-dire, il n'y a pas mieux. Il te donne une force incroyable. Tout ce que tu es garde-corps, multimartal, tous les prix que tu nous coûtes cher. Là. Mon frère, tout ça. C'est-à-dire, quand même. C'est-à-dire, et ma belle et ma nébé. Tu vois, moi, les gens, il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire, je ne les calcule même pas. Parce que je sais que c'est des gens. Excusez-moi du terme. Même leur père, là, ça ne sent pas mauvais. Excusez-moi du terme. Parce que quand le père ne sent pas mauvais, c'est-à-dire que toi, je ne sais même pas ce que ça veut dire que tu as dégagé quoi. Il y a des gens qui m'aiment considérer quoi. Mon homme est considéré. Vous avez vu? Il nous m'a coré à l'ara. Mire dans mon coré à l'ara. Il n'a senti n'a qu'un ato. A wali kima. A l'oumane yara fou fa fou. A tala mon a kioki. Mais a tanya ta colon. Il t'en force n'a qu'un dégage fi. N'a mon rongui. C'est comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la religion. Tout ce que j'ai dit là, vous laissez tout ça. Tous les mensonges, vous laissez tout ça. Toutes les vérités, il faut tout laisser. Mais gardez une seule vérité. Rapprochez-vous de votre créateur. Vous êtes d'accord avec moi, bah. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah. Je suis menteuse, bah. Je suis vendue, bah. Je suis gorille ou chimpanzé. Rapprochez-vous d'Allah. Mamadi Doumbouya et le CNRD. Rapprochez-vous de votre créateur. Quand vous serez proche de lui, il va vous amener des gens proches de lui ou il va vous amener des gens qui peuvent faire en sorte que vous sortez de vos problèmes. Parce que la route que vous avez là, les erreurs que vous accumulez là, mon frère, ça ne peut pas bien finir. Non, 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 non.
Inch'Allah, ça ne peut pas bien finir. Qu'Allah te guide, qu'il te sauve, qu'il te guide. Mais il ne peut pas te guider et te sauver si tu ne remplis pas certains critères. Si tu ne fais pas ce qu'il aime, ce n'est pas compliqué. Au fond de ton cœur et de ton âme, c'est toi qui m'as donné le pouvoir, Allah. Guide-moi. Amène-moi des gens. Je ne fais pas confiance à mon entourage. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas collaborer avec quelqu'un avec, à qui tu ne fais pas confiance. C'est ton problème d'avoir le mot. Laisse-moi tranquille. Tu as vu, tu ne peux pas travailler avec les gens avec lesquels il n'y a pas de confiance. Mais parce que tu n'es pas sincère avec Allah, tu ne peux pas leur faire confiance. Si tu ne leur fais pas confiance, tu fais confiance à ton créateur. Tu lui fais confiance, tu vas voir comment il te guide. Tu vas voir. Mais c'est-à-dire, c'est terre à terre. C'est... Mais quand il y a des choses que tu vis, je ne sais même pas comment expliquer ça. Tellement que c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux d'être, de tout donner à ton créateur et il aime ça. De lui donner honnêtement et sincèrement. Tu ne t'assois pas, tu croises les bras, non. Tu fais ce qu'il aime. Tu es juste. Tu essaies d'être juste. Tu essaies d'être équitable. Tu prends toutes les ethnies. Pareil. Tu essaies de trouver une solution avec les hommes politiques qui t'ont soutenu au début. Même si, peut-être, eux, il y a eu des failles. Ça, ce n'est pas ton problème. De ton côté, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu ne vas pas écouter les mêmes erreurs. Non, non, non. Alpha Condé, lui, il a fait ci, il a fait. Oui, il a fait ci, il a fait ça. Mais il a fini comme il a fini. Toi, tu dois te dire, non, j'ai fait des erreurs. Je suis venu d'une façon pas très, très légale. Et ça, c'est Allah qui a fait ça. Il y a des gens qui m'ont aidé à ça. Il y a des gens qui ont fait en sorte que je sois là. Il y a des gens qui ont fait en sorte que je sois validé. Et si, et si, et si, et ça, qu'est-ce que je dois faire? Il y a le cas des Aliyah. Ça, c'est notre problème. Les Fonike Menge. Mon frère, c'est trop. C'est trop. Tu ne peux pas t'en sortir avec ça. Non. Non. Il faut être vraiment proche d'Allah d'une manière extraordinaire et incroyable. Ça, tu peux combattre toute l'humanité, quoi. Parce que lui, c'est lui qui va se battre pour toi. Ça, c'est pas les chayatines qui vont mener ce combat-là, les menteurs, là. Il faut faire tel sacrifice. Il faut faire... Hé, hey, Kelly Sali, tes enfants et toi et ta femme, ne ratez pas vos prières. Madame était là. Wallahi, Bernard Lebeau, ce que tu dis là, c'est pas faux. C'est, même si c'est pas ça, je sais que j'ai dit, le tournant là, si il ne passe pas le tournant là, et ça sera dans le sens d'Allah. Wallahi Bernard, tout ce que tu as écrit ici, ça là, c'est très très proche de la vérité. Je ne vais même pas lire, je valide ça à 50%, à peu près. C'est triste. C'est-à-dire, ma kolongetan, qui Afrique mengetan, pourquoi l'affaire d'Allah là, c'est un problème pour nous? Il n'y a même pas de dépenses dedans. Il n'y a même pas de dépenses. Sauf dépenses physiques. Dès que l'heure là arrive, même si les chayatines veulent te faire dormir, mon pouvoir dépend de mes prières de Hugo en quelque sorte. Tu te lèves. Tu te lèves. Tout de suite. Ça dépend. Ah, ça dépend pas de tel marabout, hein. Ça dépend pas de tel qui a dit ça. Ils ne peuvent rien, mon frère. Toi, tu ne peux pas faire de maraboutage plus que Kassori. Tu ne peux pas faire plus que Damaro. Tu ne peux pas faire plus que Alpha Condé. Alpha Condé avait mis les bouchers doubles. Il t'a même fabriqué. Tu as fini où? Mais il n'y a pas quelqu'un pour te dire ça dans ton entourage. Il n'y en a pas ça. Parce que quand on va libérer les Fonike Menge, ceux qui sont à côté de toi là-bas, ça va un peu changer. Quand on te taxe d'ethno, Fonike Menge, il est sous-sous. Ou il est Diakankeba, je ne sais même pas. Ils sont, en tout cas, il est ici là. Ça met une coloration ethnique à ton truc, que c'est tous ces noms de Malékés. On va reprendre cette vidéo-là, Inch'Allah. Tous ces noms de Malékés, toi-même, tu n'es pas Maléké. Ça t'a empêché d'attraper Alpha Condé. Qui t'a aidé souvent à manigancer les trucs en coulisses avant de mettre les alias dedans? Il ne faut pas travailler que comme si vous voulez utiliser les gens, vous les jetez. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour toi. Toi, on m'a dit, ce n'est pas bon pour toi. Ceux qui sont reliés à toi, là, qui sont en train de manger et que c'est bon pour eux, là, ce n'est pas bon pour eux. Ils ne peuvent
ta même doukouré. Hein? Et qui a la fait ton go? Fait la gratuite là. Et que le tout, yaraba. Et pourquoi avec les rabats, ma c'est. Car moi, nous qui dépensons de l'union, nous le côté. Car il y a un rang sa même, ma n'y a rien de rang sa même. A ma n'y a. Non, le gars la ma n'y a rien de mal au bol. Ma kola sa rongi la souro gembaï de narana. Awanta ma oulu. Mimi Doukouré, merci beaucoup. Bernard Lobo, il faut rire là-bas, c'est ton problème. À bientôt, Inch'Allah. Merci, merci à tout le monde. Bon, on verra, hein. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, sincèrement, pour ne pas mentir. La semaine prochaine est caillou. Donc, Colonel Mamadi Doumbouya, je vais revenir. Moi, je suis comme ça. Je vais donner des conseils. Progressivement, je vais me braquer. Voilà, et je te préviens. Je ne perds jamais, mashallah. Non. Allah ne m'a jamais fait perdre. Et quand ça doit perdre, je quitte le bateau. Mashallah. Je ne veux pas qu'Allah me fasse honte. Si moi j'ai honte, c'est comme si toutes les femmes voilées avaient honte. Parce que mon voile est sincère. Voilà. Donc quelqu'un d'autre ne va pas venir profiter dans ça pour venir salir ce que moi j'ai mis propre. Je vais te laisser là-bas. Toi-même, la propreté que tu sais faire là, il faut faire. On va voir ce que ça va donner. À bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Alhamdulillah. Merci à Allah, le Seigneur des mondes. Celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a sorti des ténèbres. Qui m'a apporté cette lumière. Je me suis acceptée physiquement. Je me suis couverte. Voilà, je fais tout pour lui. Et je veux qu'il me donne la force de continuer. Je veux qu'il fasse en sorte que je me batte tout au long de ma vie pour lui. Si je veux rentrer dans l'histoire, je veux rentrer dans l'histoire dans le sens islamique. Le domaine que vous, vous fuyez là, moi je veux rentrer dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Vous avez vu, j'ai du culot, hein. Mashallah, c'est Allah qui fait ça. C'est lui qui peut faire ça. Oui, et c'est comme ça. Merci à tout le monde et alhamdulillah, salam alaikum à tout le monde. Bye bye. Dessous, à bientôt, Inch'Allah. Mime Doukouré, merci. Merci. L'armée d'Allah est la meilleure. Un seul ange. Le dégât qu'un seul ange fait, Mime Doukouré. Balouenara. Le dégât qu'un djinn musulman fait. Imounoma. C'est-à-dire, Imounoma Baladara. Quand je vois ces gens-là payer les chayatis, je me dis, mais comment on peut être borné et. Il y a des trucs que je ne veux même pas dire. Vous connaissez la puissance et la force qu'Allah peut donner à quelqu'un. Et puis, banalement, et tous les goûts, tous ceux qui gouvernent l'humanité, là, tous sont tournés d'eau. C'est-à-dire, ils veulent même, c'est le mot islam là qu'ils veulent même pas entendre. Ah ouais, c'est ça qui me rend malade. Celui qui t'a créé, on est laïque. Ya voilà, on est laïque. Boté Rabat et foutaise. Quelqu'un pour qui on n'a pas voté, on est laïque. Mon frère, tu es laïque. Quelqu'un a voté pour toi. Hein? Pourquoi tu dis aux gens de prier pour toi? Pourquoi tu vas voir les faux marabouts là? Hein? Toi-même, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier toi-même. Il faut prier. Hein? Toutes les nuits, rendez-vous. Toutes les nuits, il faut prier. La paresse que tu as là, tu enlèves ça. Comme tu es peureux là, tu ne dors pas la nuit. Le temps d'insomnie là, tu pries. Voilà. Le temps d'insomnie là, toi, tu vas prier. Tu fais 11 rakat propre. Tu prends ton chapelet. Tu te confies à lui. Ah! Tu vas dire, non, la dame là, pourquoi je ne l'ai pas écouté depuis longtemps? Et progressivement, tu vas voir. Il va t'amener des gens qui sont avec lui pour te guider. Il va t'éloigner tous les chayatines. Parce que c'est les chayatines qui vous guident. Il faut appeler un tel. Il faut faire un tel. Mais tu les appelles flou, flou. Plouk, ça descend. Tu dois avoir la présence d'esprit que tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Non, tu es d'accord avec moi. C'est une évidence. À bientôt, Inch'Allah. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je la recommencerai quand j'aurai le temps. Moi, je suis comme ça. Je vais parler. Hein? Après, je vais commencer à te lâcher. Je vais commencer à changer mes titres aussi. Je vais commencer à changer mes titres. Un jour, Mouyoron, tu vas te réveiller en France. Attaché, Inch'Allah. Je ne te le souhaite pas. Hein? Je ne veux même pas que ça t'arrive. Je veux que ma joie du 5 septembre là, que ça là, je garde ça. Hmm? Fais en sorte que je garde ça. Et quand tu es à tout, regarde dans ton rétroviseur.
c'est mieux pour toi. Moi, je m'en fous, hein. Ceux qui me connaissent vont te dire, ah, elle, là, c'est comme ça, dit. Peut-être c'est le côté là qui vous dérange, mais je suis comme ça. Et je ne veux pas changer ça, dit. C'est à prendre ou à laisser. Quand on y aussi, il y a go. Il y a aussi, il y a. Ah, on y aussi. Menni. On va là, on a parti là, le sembe, il y a dit. T'en a n'a qui. Khalati. Wo mo ngi sa nya la rasoni arba la sembe fi dine l'islam ma rasembe fi ran ko fanye ma kan na ne na yama mo ne na ramba la ba ma atana ba mamma ri yo mo no bana ba di ma fata na so ka tanira ama so fi ala ya so fa lai awa